Cette œuvre témoigne des conflits religieux et des déchirements de conscience qui, sous la Réforme, ont bouleversé les mentalités et le tissu social et politique des Pays-Bas. L'énorme chaos qui règne au premier plan de l'œuvre, dans un premier temps difficilement lisible par le spectateur, n'est que le reflet, dans la composition de la toile, du désordre qui régnait alors à l'époque dans cette région. Aux Pays-Bas, l'influente bourgeoisie éclairée qui se forme au Moyen-Âge fait bon accueil au protestantisme. Mais l'empereur Charles Quint, dont la puissance militaire est mieux établie sur ce territoire que dans les États allemands, tente d'en arrêter la progression en faisant brûler publiquement les livres de Luther et en installant l'Inquisition en 1522. Une révolte, fomentée par le monarque français François Ier, éclate en 1539 à Gand. Elle est suivie d'une dure répression. Ces mesures sont pourtant sans effet, et vers la moitié du XVIe siècle, le protestantisme s'impose dans toutes les provinces du Nord, c'est-à-dire la Hollande. Les provinces du Sud, aujourd'hui la Belgique, restent essentiellement catholiques. La majorité des Hollandais embrassent le calvinisme, qui constitue un lien idéologique puissant dans la lutte nationale engagée contre les souverains catholiques espagnols. La population se révolte en 1566 et la guerre se poursuit jusqu'en 1648, date à laquelle l'Espagne renonce à toute prétention sur les Pays-Bas par suite de la paix de Westphalie. Les Pays-Bas, jusque-là espagnols, deviennent alors un État protestant indépendant. L'auteur n'est pas dupe. Il sait que toutes les violences et les exactions commises à l'époque proviennent des guerres de religion. Dans l'histoire de l'humanité, à certains endroits et à diverses époques, il est souvent arrivé que la mort triomphe. La folie des hommes, leur sectarisme et leur avidité ont toujours provoqué des guerres aux conséquences terribles pour les populations civiles. Bruegel, en tant qu'humaniste, dénonce cet état de fait. La ligne d'horizon est extrêmement haute. Elle occupe la moitié du tiers supérieur de la toile. Le peintre veut laisser un maximum d'espace au paysage et à ce qu'il s'y passe. Le point de vue du spectateur est situé juste au-dessous des scènes de massacre du premier plan, au niveau du donjon en flammes et de la croix qui orne la porte que les habitants franchissent pour, peut-être, se réfugier. Au premier plan, rien ne guide vraiment le regard du spectateur. Ceci l'oblige à regarder la toile dans le détail. C'est la volonté du peintre, parce que l'œuvre est composée de différentes scènes qui ont chacune leur signification. Chez Bruegel, on appelle scène grouillante les tableaux peuplés de multiples personnages. Près du centre géographique du tableau se trouve la mort. Armée d'une faux, elle chevauche un cheval squelettique. L'auteur utilise aussi trois points naturels d'intérêt. Le premier point est en haut à gauche. Il se situe au point de rencontre entre quelques villageois qui tentent de résister et l'armée des morts qui surgit d'une crevasse. Le second point, plus bas, se trouve sur deux squelettes en soutane marron qui traîne un cercueil. Le troisième point naturel d'intérêt est le point inférieur droit. Il est situé devant le cheval squelettique de la mort, où les cadavres gisent et où la foule est la plus affolée. La toile est partagée en trois zones distinctes. En haut, le ciel, bleu à droite et rouge à gauche, d'où viennent les morts. Au centre, un paysage quasi désertique peuplé de cadavres d'hommes et d'animaux,
de scènes de pillage et de torture, où l'on voit l'armée des morts approcher de deux côtés. Au premier plan, l'affrontement entre l'armée des morts et les hommes. Les vices des hommes y sont dénoncés. Cette partie de la toile est peuplée d'hommes, de squelettes, d'animaux, surtout des oiseaux noirs, d'un chien qui tente de dévorer un enfant et de démons. L'artiste utilise simultanément les deux grandes diagonales. Les principales lignes de direction vont dans les deux sens. Lumière. L'œuvre est éclairée d'en haut à droite. Couleur. Contraste entre couleur chaude et couleur froide. Quatre couleurs sont complémentaires. Intéressons-nous aux détails. Les hommes sont égaux devant la mort. Le pouvoir et l'argent ne peuvent rien contre elle. Ce roi est en fin de vie. La mort lui montre un sablier pour lui montrer que son temps est écoulé et s'empare de son argent. Depuis longtemps, les hommes se plaisent à représenter la mort comme une faucheuse. C'est une représentation traditionnelle. Ici, elle n'a pas son manteau noir, mais elle fauche les vies comme les hommes fauchent le blé. Comme Jérôme Bosch dans ses triptyques, Bruegel dénonce ici le jeu et l'alcool. À l'arrière-plan, sur la gauche, deux squelettes sonnent des cloches attachées à un arbre. Dans les villages, on sonnait les cloches pour alerter d'un incendie ou d'un danger. Cette représentation est chargée d'ironie. Les morts se chargent de tout. Ils ont creusé un trou pour y mettre un cercueil. Au loin, on voit que la mort a tout prévu. Des squelettes coupent des arbres. Ils ont besoin de bois pour réaliser des cercueils. C'est une activité humaine. Le triomphe de la mort, cela signifie que les morts remplacent les vivants. Les morts sont partout. Au sommet de cette tour au milieu de l'océan, ils font sombrer les navires. Ils sont aussi sur le rivage, où les croix sont brisées et remplacées par des symboles païens. Les morts sont innombrables. Partout, il y a des cérémonies funéraires et des squelettes qui enfouissent des cercueils ou qui creusent des trous. Il existe de multiples façons de mourir. Au loin, la mort semble pratiquer l'exécution, soit par pendaison, soit par le supplice de la roue. La décapitation est un autre moyen de mise à mort utilisé à l'époque. Cette image d'un mort dans un arbre a traversé les siècles. Autodix s'inspire de ce motif pour son triptyque sur la guerre en 1929. Les morts sont tellement nombreux qu'il semble difficile de les compter. Armés de lances, les morts chevauchent des montures faméliques et attaquent les villageois. Partout, les morts assassinent et jettent les hommes à l'eau. Les poissons morts, au bord du rivage, évoquent l'univers de Jérôme Bosch. Au pied de la tour, des squelettes, drapés de blanc, jouent de la trompe pour célébrer leur triomphe. Cet attelage macabre transporte une multitude de crânes. À l'arrière, un squelette joue de la musique, tandis qu'à l'avant, un autre tient une lanterne et fait teinter le glas. Un corbeau est perché sur la croupe du cheval. Une lanterne allumée est supposée servir de guide aux défunts. Le glas est la sonnerie de cloche signalant l'agonie, la mort ou les obsèques d'une personne. Un chien décharné attaque une femme à terre qui porte un enfant. «
Ce squelette est en train d'égorger un pauvre bougre, manifestement pour lui voler sa bourse. Deux squelettes en soutane transportent un cercueil en tirant sur des cordes pour le faire rouler. Ces deux squelettes ont installé un filet de pêche pour capturer des hommes. C'est une allusion ironique aux pêcheurs d'hommes du Nouveau Testament. Ce couple semble très occupé à chanter. Il semble totalement détaché de ce qu'il se passe aux alentours. Mais dans le dos de la femme, un squelette approche, lui aussi joue de la musique. Il faut lire en pointillé, « La mort est plus forte que l'amour ». Ce cuisinier lugubre apporte un plat peu appétissant. C'est une allusion au poison. L'empoisonnement était à l'époque une façon commune de mourir. De nombreux litiges se réglaient avec du poison. Pour échapper à la fureur de l'armée des morts, les habitants entrent dans ce qu'il semble être un refuge, dont la porte est ornée d'une croix. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'au-dessus, les morts tirent sur une corde qui ouvre la porte et joue du tambour. Cette scène fait allusion au fait que durant les guerres de religion, l'Église n'est plus un refuge. Elle peut même devenir un piège. Ce squelette s'accroche à cet homme pour le faire chuter. C'est une parabole qui exprime que la mort utilise le moindre prétexte pour parvenir à ses fins. Cet homme se cache, mais son dos percé d'une lance montre que c'est inutile. La mort est inéluctable.